On a le meilleur attaquant africain. Il n'y a rien à faire. Le Cameroun gagne 3 buts à 1. C'est la Guinée qui va gagner. 2-0. 2 buts à 0. C'est la Guinée qui va gagner. Pourquoi? Et je pronostique 3 buts à 1. Parce que nous, on a des meilleurs joueurs. On a le deuxième meilleur buteur européen. Et puis le meilleur buteur africain chez nous. Donc je vois la victoire de la Guinée. Le Cameroun est obligé de gagner. Vraiment obligé de gagner parce que déjà nous avons baissé en termes de participation dans les CAN. Et puis nous sommes venus vraiment, vraiment furieux parce que la CAN passée, on l'a arrachée vraiment. Et nous sommes venus en tant que les Lions. Voilà, pour ne pas nous amuser. Nous n'allons pas regarder, il n'y a pas de petite équipe pour nous. Voilà, nous allons frapper très fort et c'est vraiment là le but. Le score, il faut dire que c'est 3-0 parce que nous n'allons pas permettre un seul but. Nous n'allons pas permettre un seul but. Voilà, 3-0 pour le Cameroun, en faveur du Cameroun. Merci. C'est la Guinée qui va gagner, Inch'Allah. On va gagner Cameroun 2-0. 2-0, Inch'Allah. On est très très en forme. Cette année-là, on est très très en forme. On est prêt pour la CAN. On a des super joueurs, quoi, au fait. On a des joueurs européens, il y a beaucoup de joueurs. On a un attaquant aussi, Serou Guirassy. C'est le meilleur attaquant d'Afrique actuellement. C'est le meilleur numéro 9 africain actuellement. Mais je compte que la Guinée va gagner 3-0 comme cela. C'est bon. Non, on n'a pas peur. Quand on a assez d'attaquants, on a assez de joueurs qui sont forts. Donc, compte sur eux. Ouais, la victoire, c'est pour la Guinée. Le Cameroun, il n'y a rien à faire. Le Cameroun gagne 3 buts à 1. Pourquoi et comment? Pour le moment, les Lions sont très très nerveux. Ils sont très nerveux à l'heure. Ce n'est pas le match qui les arrange. Le match que le Cameroun attend là, c'est Cameroun-Sénégal. Donc le Cameroun-Guinée là, le Lion arrache. On a le meilleur attaquant africain. On a le meilleur défenseur qui est Jacabi. On a un meilleur attaquant de point qui est Mohamed Bayo, qui est mon frère. Moi ici Bayo, ici né ici. Donc Bayo va mettre au moins un but. Guirassy, un but. Voilà, donc pour moi, 2-1, ça suffit pour la Guinée. Le Cameroun gagne par 2-0. Le Cameroun gagne parce que, d'abord c'est le Cameroun, on a un esprit qui fait que quand on est dans une compétition, on n'est pas ridicule. Voilà, donc quelle que soit l'équipe du Cameroun qui est là, dans une CAN quand même, le Cameroun doit se faire respecter. Je suis de ceux qui pensent que Rigobert doit continuer parce que ça fait à peine 2 ans. Voilà, si nous voulons faire quelque chose de sérieux, de bien pour 5-10 ans, il faut bien qu'on laisse Rigobert travailler. Il faut qu'on le laisse travailler, il faut qu'on l'encourage plutôt que de critiquer chaque fois et puis recommencer chaque fois. Laissons le temps à Rigobert, laissons le temps. D'ici la prochaine Coupe du Monde, les résultats seront déjà là.